Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième let's play de Final Fantasy XV, épisode du Sky. Donc on s'était arrêté après avoir tué un espèce de gros porc, je me rappelle plus du tout le nom. Ça fait quelques temps que j'y ai pas joué, j'espère que ça va revenir facilement. Ouais. C'était assez simple, c'était des combines de base. Ah! C'est quoi ce boulder? Ah, tu te fous de mon gueule? Ou tu te fous de mon gueule? Elle où le bouton continuer? Bordel! J'ai fait exprès d'enregistrer pour vous faire des let's play et il me fait ça? Non, tu rigoles. Ah putain, les cons. Ah, j'ai pas envie de faire une nouvelle partie, ça avait duré 3 quarts d'heure la dernière fois. Allez, chien. Bon, bah vous savez quoi, on va faire une petite pause et je vais réavancer dans le jeu, tout simplement. Putain, ça me fait chier. Bon, bah à tout de suite, les gens. Yop, les gens, on se retrouve. Donc, j'ai vu ce petit panneau. La dernière fois, j'avais un peu trop avancé. Apparemment, j'étais allé vers là-bas. Et il y a ceci. Le marécage d'Alstor. Quand j'ai cliqué dessus, ils m'ont dit que c'était par ici, apparemment. Ouais, moi, ils m'ont branlé un peu. Je cherche le gros jaune que j'ai vu. Bémote doit être vers là-bas. Ah, il n'y a plus le gros jaune. Il était là. Ah, ben, ça doit dépendre des fois en fait. J'ai eu de la chance la dernière fois de trouver un jaune. Wow, j'ai fait quoi là? Je voulais pas l'attaquer, bordel! Ah, comment on fait déjà? Ça c'est bon, maintenant on peut attaquer autant de fois qu'on veut. Ah! Alors là, danger, perdre max, ok. Non, c'est bon. Hop, objet, potion sur moi-même. Oh, ok. Là c'est bon, je fais mal à tout le monde en même temps. Putain, ils perdent que dalle ces gros porcs. Sous Eclipse, c'est pas le top. Alors là, je me rappelle plus du tout comment on fait pour se protéger et tout. Ça me fait bien mal. J'ai pris une potion, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance surtout là. Ok, mais les sauts éclairs apparemment ça fait bouffer les PM. Je vais pas les attaquer 50 fois parce qu'après ça va me saouler. Ah putain, ouais, c'est vrai, quand j'ai le PM épuisé je peux rien faire. Bon, on va aller... Bon, on s'en fout du combat. Allez, arrête. Ouais, on va aller ici. Sans doute laissé par le behemoth. Ok. Juste. Ouais, ça, on s'en fout. Allez, bouge. Mais pourquoi je peux pas bouger?
Bon, si t'as envie de me parler, parle-moi, mais attends pas 50 ans. Pourquoi je peux pas bouger? Ah non, c'est qu'ils veulent que j'aille absolument sur le truc. Ah ouais, c'est bon, j'ai regardé, allez, lâche-moi la grappe. Je sens que ça va être drôle. Plein de monstres autour, bien sûr. Aïe aïe aïe, PM épuisé. Par contre, il va falloir que je me reprenne à... Ah, il y a un petit truc sur la pierre, là, je vois. Alors, lui, il prend trop trop cher. Oh non, je te fous pas. Ah l'enfoiré. Ah, j'ai même pas le temps de prendre ma potion, ça c'est trop. Oh, y'a un gros qui veut m'attaquer derrière. Putain, mais c'est quoi ces gueules qu'ils ont? Hop. Putain, il me reste encore des... Oh, le con! Ça fait mal. Oh, comment il m'a démonté la gueule! Petite plume. Ah d'accord, c'est ça que j'avais vu là-bas sur le... bah du coup on va aller là. Hein. Quoi? Oh, encore. Putain, il bouge trop vite, c'est con. Ah, il se fout de ma gueule ou quoi? Putain, t'as toujours des types quoi pour te faire chier. Et heureusement que les potions existent. Parce que sinon je serais mort depuis longtemps. Putain, ils font rien du tout quoi pour se protéger. Toi, toi t'es un mort. Oh.
Putain, il est costaud lui. Putain, mais je tire à côté. Il est pas mort, c'est quoi cette connerie? Pourquoi ils ont arrêté le truc? Oh lui, bon, je me barre. Putain, il y a encore un garde, va te faire. Hop, coucou. Moi je veux bien avoir quelques combats, mais j'en veux pas 50 000. C'est quoi? 5 ans? Ah ouais. Dormir permet d'assimiler l'expérience accumulée pour augmenter le niveau des personnages. Yasumuka. Allez. Ah. On va voir ce que ça donne. Et si vous donnez écran noir avec juste une petite musique relax. Cool. Ok, niveau 4, niveau 15, Nice. Putain, je suis que niveau 4. Je suis plus nul quoi en gros. Des trucs ta gueule putain. Ah ouais quand même, bah, c'est sympa, bah, c'est niveau 4 au niveau 8. Augmente un peu l'attaque, la défense et le taux d'expérience, résistant, permet de ne plus subir d'altération. Ah c'est sympa. Iko. Tente avec vue. Vous pouvez obtenir divers effets bénéfiques grâce au dîner que prépare Inis en fonction des aliments que vous trouvez ou achetez. Ok. Putain, mais ça m'a l'air complet comme jeu quand même. Bon, comme tous les Final Fantasy de toute façon. Le Behemoth était parti par là-bas. Là-bas, il y a des gros moutons. Il y a plein de bestioles encore. Qu'on va partir vers là-bas. Je voulais voir, je voulais tester un peu pour voir ce que ça faisait de sauter de haut. T'inquiète mon gros cochon, je te veux rien. Attends, c'est du mammouth. Il y a un panneau ici aussi. Nani? C'était quoi ça? J'ai pas fait gaffe. Ah merde. C'est quoi? Y'a pas une seule bestiole. Ah si, ils sont là. Bon, grosso modo, on doit suivre les... Ah, la couverture. Ouais, on va manger des cèpes ce soir. Ah, il est passé par là-bas. Nocto. Kore wa dou da? Kyoumi ga aru. Nanda? Ça c'est chiant ça par contre qui s'épuise encore.
Des relents pour retrouver un chocobo sauvage. Oh oui, ça c'est bon. Et si je veux des XP. Voilà. C'est une dangereuse behemoth dans les environs. Elle est bonne cette attaque, je trouve. Je vais essayer de trouver. C'est pas fini? Je rêve où il a tiré avec une grosse batteuse l'autre. Chocobo, chocobo. Chocobo. Faut se le faire. C'est à cause de lui. Viens là que je te chope. Elle est nulle cette attaque, ça va, je l'aime pas. Comment on fait pour le choper lui? J'y arrive pas à la voir. Ta gueule toi. Comment on fait pour la voir? Putain, je suis sûr ils l'ont dit en plus quelque part. Ennemi Tauti, je crois. C'est quartier du combat pour que ça s'arrête. Ouais ok, mais il y avait le truc Non mais non. Base, campement. Ok, on a des objectifs. Interruption, dernier lieu de repos. Ils nous ont dit de trouver un chocobo, mais si on peut même pas le choper, ça sert à rien du tout. En fait, il a même dit à super, je me rappelle.
どこまで続いてんだろう。走ってんのが辛くなってくるな。気分いいじゃねえか。もうえ、フェッシー。 Où est-ce qu'on peut aller là? Là-bas il y a leur espèce de grange, je vois rien d'intéressant. Cette espèce de grand mur là-bas. Tu sais? Ah ouais, c'est pas mal. Putain, j'y vois rien avec tous les autres combats à côté. Et il attaque absolument tout le temps le jeune par contre. C'est un truc de fou. Allez, on va prendre une arme. Putain, mais par contre, il prend vraiment que dalle. Ça, c'est un truc de fou. Putain, on a deux dessus là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je les ai pas vus arriver. Oula! C'est toi que je veux. Je sais pas comment on fait pour esquiver ça, ça. C'était Alain, Alain carré, je crois. Putain, il est qu'à la moitié de sa vie quoi, c'est pas possible. Allez gros cochon. それでかよ。プロ。危なかった。はい、じゃあ。大丈夫。悪いな。よし。それ。 Il y a trop d'ennemis en même temps. Qu'est-ce qui se passe là? C'est toi que je veux. Allez, arrête de courir. Voilà.
là. Pas lui, putain. C'est chiant. Comment on fait déjà pour lui? Normalement, il y a... Oui, voilà, c'est bon, là, je le bloque, mais ça s'enlève, c'est le problème. Je te laisserai pas partir, toi. Ah putain, je vais pas s'occuper. Putain, entre les autres qui arrêtent pas de me courir après et lui qui arrête pas de m'échapper là. Putain, mais sans prendre de prendre des coups d'épée dans le cul l'autre ou quoi? Là, on est presque en moins quand même. J'étais sûr. Putain, vu que je me fais attaquer dans tous les sens, je peux rien faire. T'attaque pas de face, alors lui il s'échappe. Oh là là, les coups qu'il met aussi, voilà. J'ai pu en avoir. Le BMO, tu vas me faire complètement laminer quand je vais arriver devant lui. Putain, ce gros cochon, il m'énerve. Mais même en se mettant devant lui. Ah, c'est bien, vas-y, viens là. Non! Ah, j'en étais sûr. Allez, on me dit, il te reste plus rien à retrouver. Qui m'a foutu le gros cochon? Ah, j'arrive pas à le choper l'avant. Ah, il fait trop trop mal quand il fait ça. Allez, régénère-toi, fais quelque chose. Putain, ça, faut être des potions. Hop, et ça y est, j'en ai plus. Putain, mais vous avez vu jusqu'où il part, quoi? C'est vraiment chiant. Et moi, bâtard! Merci! Il est presque mort, allez là! Oh.
C'est merde. Ça va me filer un max d'XP. Saloperie de grosse vache, viens là. Crève, bordel. Là, ça se trouve pas. Boum, 1500. Allez, je me casse. Putain, il est long, lui. Alors, où est-ce que j'ai des trucs? Non, voilà. Putain, ils sont longs ces champs quand même, ils ont fait un bon truc. Hein. Non, j'ai dit. Oh, c'est qu'ils sont jusqu'ici ces robots. Mais tu peux aller vachement loin. Par contre, j'ai perdu la trace du BMX, du coup. Allez. Où est-ce qu'il a bien pu aller? C'est une pierre là-bas ou... J'en ai marre des combats. On va les descendre. Où est-ce qu'il est ce putain de délire? J'ai passé à la station. C'est où? C'est juste en face de moi. Ça va être ici. Partout. Une grenouille. Les cuisses de grenouille. Ok, mais où est-ce qu'on va se... Ah, on peut monter dessus. Garantie les meilleurs mécanos que vous avez sur le capot. Ok, génial. Il est mignon d'ailleurs, le jeu de plus en hôtel de l'eau. On peut acheter ce truc. Il y a des potions. Oh, 100 giles. Je peux m'en acheter que 4 quoi en gros. Achète 4, hein, tant pis. Y'a de rien au vieux. Bon, où est-ce que c'est? Nous n'avons plus de café, mais je m'en prends. Moi, ce que je veux, c'est trouver ce qu'ils me disent.
disait allez à la station hein, pour vous reposer. Y'a pas un camp? Alors sympa là. Ouh. Je parlais de la voiture. Ah mais c'est ma bagnole ça. Au final, on doit aller où? Ok. Gradio, Ignis. Oya, c'est quoi? Mais ramasse! Faut que je trouve un feu de camp là, si j'ai bien compris. Putain, les journées elles passent trop vite dans le jeu par contre. Ça fait quoi, une demi-heure là qu'on y est? Depuis le feu de camp? C'est quoi qui clignote au loin là-bas? Oh bordel. Attention Gary. Éliminer tous les gars là. Oh c'est mort. C'est bon. Ce que je veux c'est le BMOS. Ah bon, il faut absolument que dalle hein, dans la nuit. Bah allez, l'autre il a attaqué le jaune. Quel trou de balle. Chose que ces gros cochons là, j'essaie de trouver quelque chose mais je sais même pas quoi. Une trace, un indice, je sais pas, faites quelque chose, bordel. Ah ben c'est le feu de camp de la 3 fois ça. Bah allez, tu te fous de ma gueule. On a quand même pas fait le tour. Ça ressemble pas pourtant. T'en as un autre. Ah bordel, ça y est, carte qui s'affiche plus. C'en est un autre. Combat amical, faire un duel contre qui? Oh mais c'est des quêtes secondaires que j'avais. On s'en branle de ça. Ça a pas l'air bon. Ragout de Garoula. Ouais c'est même pas un cochon. C'est plus gros qu'un cochon cette merde. Putain. C'est de niveau. T'as par contre les deux autres enfoirés là, c'est niveau 16, niveau 18. Ça va tranquille. Alors, on va se remettre à la chasse, donc on est où?
pas déplacer le curseur là sur la carte. Non, allez. C'est pas là-bas qu'il faut aller quand même. Ça se fait après, c'est pour le BM par accord. Placer un repère. Ok. Plus court, c'est par là. Putain, mais comment on va le trouver ce BM? Ah, c'est là où on a vu l'affiche, on est arrivé par là. En gros, là, on a fait le tour, là. C'est génial. Ce que c'est qu'on a vu des indices par là-bas. Puis, j'avais vu aussi un panneau qui me disait, ouais, viens par ici, tu vois. Je vais aller voir quand même. Parce que là on a de la flotte, on a rien d'autre quoi. C'était ici là, ce panneau là. Marécage d'Alstom. C'est quoi ça? C'est ici, je... Oh. Quatre diamants dans la vase, trouver le magélite dans le marécage d'Alstom. C'est quoi le magélite? Ah mais si on peut le passer. Ah c'est ça. Je t'ai eu. Oh là là, mais comment on est censé le choper celui-là? Il va 50 fois trop vite. Oh là là, ce qui m'a mis. Par contre, tu peux tricher avec les attaques. C'est quoi ce bruit? Oh non. Putain, j'ai jamais de pierre. Je peux pas le choper autrement. Là, je te... Écailles de dragon, sérieux? On va aller essayer des dragons dans le jeu. Okay.
trouver le glémite ou je sais pas quoi. On va aller voir par là-bas. Je vais vous faire un let's play de je sais pas combien d'heures, on a rien à foutre. On va se balader, on va découvrir le jeu à 100%. Pas nous ici. Ah, chocobo sauvage dans les parages. C'est là-bas que je voulais aller, ouais. Voilà ça. Je vais longer un petit peu quand même parce que vu que j'ai trouvé un truc là tout à l'heure. Ok, de dragon, hein, je suis sûr que ça va être rare. On peut partir loin dans la vallée, je trouve ça sympa. Là-haut il y a un truc. なんか聞こえねえか。チョコボの鳴き声したよね。ご機嫌な声だな。わかるのか。なんとなく決まってんだろ。さゆ。今日も餌やりしてくのか。うん。だってあの子たち本当に嬉しそうに食べてくれるのよ。オッケー。緊張がほぐれるな。 Une caravane pour profiter au chaud de la vue sur les classes. Allez, aussi, putain. Castumvo. Nanda. Louis des chocobos. Putain, il a mis du temps de me parler, ce con. De toute façon, j'ai plus de gile. T'as raison. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas de chocobo? Ça c'est des vrais chocobos. Dormir dans une caravane et cite des giles. Bonne idée. Ok. C'est ça, non, non, non. Quoi? On va pas suivre la route parce que quand on suit la route, on trouve rien à chaque fois. En plus là il y a un... Ouais, on se prend un petit monstre à la route. Juste là. Là, on est vraiment à la frontière quand on se trouve toujours là. Ah, il y a quelque chose. Mmh. 3 sur 3. Ah! Giz, giz.
passé? J'espère qu'ils sentent pas la peur. Aide pas trop mon gros cochon, un cahier de dragon, bim. Examine les traces 3 sur 3, allez voir ce qui se passe. C'est par où? Ah, je crois que c'est en haut là, c'est là où on vient. Ça va être bon s'ils se font attaquer. Ah non, c'est pas eux. Dommage. Allez! Putain, c'était la caillasse. Ça m'a donné une honte. J'imagine qu'on peut pas y monter là-haut. Trop. Ah! Ah! Ah ben non. On est pas dans Assassin's Creed, j'avais oublié. Ouh, bordel de coups de merde. Que passa en la casa? Ouais, là ça va être bon. Oh bordel. Alors là on va rigoler. Dormez si vous avez besoin de reprendre des forces. Où est-ce qu'on peut dormir? Putain, ils auraient dû nous foutre en foot camp. Moi je l'aurais bien fait mais... Il est où le plus près? Ok, là on est dans l'entrée du truc, ouais. Dernier lieu de repos. Dernier lieu de repos sanctuaire de Plumour. Voulez-vous retourner à cet endroit? Oh là là, mais ça fait loin. Non, je veux pas. Oh purée, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ce que je peux faire là. Ça. Bam. Bon, on explose 50 à la fois. Pas mal d'XP. Alors ensuite... j'en étais sûr. Hop, écaillé dragon. Voilà. Je suis sûr que ça rapporte un max de blé ça. Donc ça doit servir à quelque chose dans tous les cas quoi. Plume j'imagine encore. C'est quoi ça? Non mais le behemoth il est pas passé par ce trou, ça c'est sûr. Oh là là.
les dents, toi. C'est pas exactement pareil que dans FIFA, dans FF13-2. J'attends que ça d'y aller, moi. L'antre du Behemoth. Il lui manque bien un œil et une corne. Sérieusement, qu'est-ce qu'il fout de là, eux ? Oh, il met 50. Putain de Kinder, c'est tatoué noir. Faut pas oublier que c'est qu'une démo aussi, donc graphisme et tout, ils sont encore mieux. Hop. Il y en a des trucs ici. Hein. J'ai bien ramassé. Ouais. Ce bestiole. Vous allez le perdre de vue si vous... Attends, tu vas pas me dire qu'on n'est pas assez près après. Je pourrais limite toucher sa queue.
dans cette gueule. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il tourne en rond en fait, c'est pour ça que ça me saoule. Seul là, c'est quoi ce bordel? Je sens que ça va être drôle. Cette vidéo ce sera vraiment pour les puristes hein, parce qu'elle va être vachement... Ok, toi t'es déjà là, normal. Otsukare-san. Ok. Ah, sympa. Immobile. Gradé. Frappez le bémote par surprise sur son flanc droit pour l'étourdir, ok. Attirer le bémote en se téléportant et l'achever après l'explosion. Bordel. Moi je dois l'achever là.
magnifique. Ah, un no kokyu tte yatsu ka? Umaku itta na. Ah! Je me disais aussi. Essayez d'attaquer son flanc droit pour profiter du fait qu'il ne voit pas de ce côté. Esquive. Oh, il m'a enlevé la moitié de ma vie. Non, 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 bouge-le. Ah, j'ai même pas le temps d'esquive. Ah ouais, ok, je vois, c'est exactement comme les autres. Ils ont plusieurs points. Ah putain, s'il faut lui niquer. Oh, il est fou. Ah, 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 il me fait trop trop mal. Vite. Ouh. Vite, soigne-toi, bordel. C'est tout. Ah non, pas maintenant. J'ai plus de vie du tout. Putain. Oh non. Je la vois sa patte, je la vois, elle va m'écraser. Et voilà. Et allez, un petit deuxième. Putain, le focalise pas. 72 mètres, mais quoi 72 mètres? Ah bah là. Première fois que je crève complètement dans le jeu. Bon mais les gens, vous savez quoi, on va se faire un petit dernier épisode, donc le let's play numéro 3 pour tout simplement niquer ce putain de behemoth qui nous fait chier. Putain, je sais pas comment faire. Va falloir que je rejoue je pense. Et dès qu'il y arriverait, ben, je vous l'uploaderai. Donc d'ici là, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.